Eh bien bonjour à tous, c'est Willy Gmod et bienvenue dans un nouvel épisode de Willy & Co en compagnie de Pietro. Salut Pietro. Et bienvenue tout le monde. C'était quoi cette voix là? C'est la tienne. Non, t'as gagné, je me casse, c'est bon. Ok, je te suis. Je vais me noyer, tiens. Parce que je m'en tape, m'en fous. Peut-on aller jusqu'en bas et ne pas mourir? Ce serait très étonnant. Allez, non mais moi je me noie, je m'en tape. Hein. Le tente. Voilà, donc on voit Pietro. Mes amis, voici Pietro dans son élément naturel. La plongée sous-marine est un véritable hobby pour lui, à tel point qu'il le pratique quotidiennement. On dirait un reportage, t'es. Bah voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pris cette voix. Alors, on va où, là? mais là, j'ai l'impression Viens que avec c'est... moi. Là, j'ai l'impression que c'est un peu un océan à perte de vue, là. Mais justement, c'est bien. Ah ouais, mais il faudrait qu'on se fasse des bateaux pour que ce soit encore mieux. Bah tiens, viens avec moi. Attends que t'arrives. Ah, si, j'arrive. T'es là? Oui, je suis là, papa. Ah mais attends, mon inventaire est blindé, il faut que je jette des trucs. Ah bravo. Ah bah écoute... Jette tout ce qui te sert à rien. Eh oui. Alors les pouces de chaîne, je les garde. Ça, je m'en tape. Ça, je m'en tape. La ficelle, on en a pas besoin. Au pire, tout ce que tu veux. Les pouces de boulot, t'en voudras du boulot ou pas? Vas-y, balance tout. Balance ce que tu veux pas. Hop, ça c'est bon, ça je m'en tape. Tiens, je te donne le stack de 64. La canne à sucre, tu t'en tapes. Bah oui, la canne à sucre, je m'en tape. Pas pour le bon moment, toujours. Hop, hop. Bah bon, bah voilà, c'est bon, je me suis fait un peu de place. Non, le bois, tu l'as acheté. Bah oui, le bois, je l'ai acheté. Bravo. Bah quoi? Du bois de quoi? C'est du bois de chêne en plus que je t'ai demandé, t'es con. Bah non. On va le chercher. Hein. Bah, je pensais que t'avais de la place. Bah non. Bah je pensais que tu prenais, moi. Bah j'ai pris tout ce que je pouvais, oui. Et donne-moi le bois de chêne. Espèce d'andouille. Andouille, moi je te dis. J'espère que tu apprécies tout ce vomi de bois de chêne. Je te donne ça. Je te donne ça. Oh la perle. Ouais. Bon allez go, on se met un bateau et on y va. Quand tu veux. Alors on va par où? Allons par là-bas. Vas-y, bah je te suis. Ta 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 ta. Ta 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 ta. What? Mon bateau vient de péter! Oh, le beau cactus. Ah, la canne à sucre encore. Très bien. Viens, fais-le ici. Je le fais. Je le fais? Ah bah, s'il faut que je le fasse avec ça. Ouais, mais j'ai plus le bois. Ah si, c'est bon, j'ai le bois. Autant pour moi. Ah non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je te dis. Ah bah, chercher, je te l'ai foutu dans l'eau, là. Oh, espèce de casse-couille. Ah, putain, tu l'as foutu où, tu l'as foutu là. Ah, c'était un bateau. Bah oui, c'était un bateau. Alors, j'ai une question. Pourquoi m'as-tu mis une table de craft si jamais tu comptais me faire un bateau? Je vais me faire un bateau parce que je viens de casser le mien. putain. Allons-y. Bon. Et te prends pas de poulpe. Bah ouais, je vais essayer. On dirait que t'es un hors-bord. Bah
c'est pas long, c'est en perte de vue. Quoi? Il y a encore des biomes canyons là-bas. Biome message, t'es dit. Pas des biomes canyons. Bah non, c'est pas pareil. Alors pour ceux qui reconnaîtraient pas la musique, c'est la musique de Mario Bros. Hein? Il y a de la terre jaune là-bas? Serait-ce de l'or? Ce serait très étonnant, mais... Bon, on va voir là-bas, là. Vas-y, vas-y. On continue dans le petit fleuve. Non, mon bateau vient de casser. C'est pas grave. Continue à aussi. Patte. Allez, viens. C'est sympa ici. Ouais. Hop. Mais j'aime beaucoup cette terre cuite de différentes couleurs. Je trouve ça très joli. Ouais. J'avais déjà vu ce biome-là dans une vidéo avant, mais je pensais que quelqu'un avait installé un pack de textures spécial qui faisait qu'en fait, bah, on voyait tout comme là, ça, quoi. Super. Les couches, là, c'est magnifique. Ah, c'est génial. Sincèrement, le nouveau biome, j'adore. Alors, t'es où, toi? Je t'ai perdu. Je t'ai perdu, je crois. Vas-y, tout droit. Viens me voir. Qu'est-ce que... What? Putain, la vache. Je te vois, moi. Et moi, je te vois pas. Faut dire que je te cherche pas non plus. Regarde, regarde l'idiot qui est ici. Où ça? Ah, tout droit, là. Ah, t'es là. Putain, ah, je te cherche en haut, moi. Je suis trop débile. Bah, bravo. Hop. Je récupère, hein, la canne à sucre, toujours. Vas-y, fais-toi plaisir. Hop. Voilà. Bon, certes, c'est beau, mais c'est un petit peu stérile comme terre. Quand même. Ouais, je crois d'ailleurs que rien ne peut pousser là-dessus. Ah, il y a de la lave, j'entends de la lave pas très loin. Donc Pietro s'en fout, ouais, lui il avance, il trace son chemin. Mais en fait, j'essaie de voir s'il y a un endroit sympa à aller voir, mais je vois pas grand-chose. Hein. Mmh. C'est pas très très intéressant en fait ici. Heureusement qu'on arrive à peu près à meubler, mais c'est vrai que là il y a de l'océan. On peut se tenter de la traverser encore. Mmh, ouais, bah oui, tant qu'à faire. Écoute, si jamais c'est trop long, au pire je ferai ça en accéléré. Hein. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être aussi la musique de Mario Bros. Hein, qui sait? Ouais, peut-être. Qui sait de quoi l'avenir est fait? Par contre, je vais me débarrasser de certains trucs là parce que. Viens là. Non, 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 c'est bon, tu m'en as déjà filé un, je te rappelle tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Hop, la terre, je m'en tape. Le bois de bouleau, tu le voudras ou pas? Non, non, c'est bon. Hop, ça, ça dégage. Les pommes, ça, par contre, je les garde. Hop, ça, ça dégage. Ça dégage. Les échelles, allez. Je m'en tape. Planche de chêne, je m'en fous. La terre cuite blanche, je m'en tape. Planche de bouleau, je m'en tape aussi. Bon voilà. Ah, Lego. Et c'est parti. La 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 la. Mais donc, en effet, nous sommes sur un biome océan et océan profond. Ouais, plus très très océan. Très très profond d'ailleurs. Je me demande d'ailleurs s'il n'y aurait pas. Parce que moi, dans la toute première aventure suivie de Minecraft que j'avais faite, le portail de l'Ender était sous l'océan. Non, autant pour moi, je raconte des conneries, c'était sur une île, mais perdue au milieu de l'océan. Putain, il y a des poulpes. Il y a des poulpes! Ah, terre en vue. On les évite, ces salopards. Où est-ce que tu vois une terre, toi? Pas devant. Ah bon? Ah oui, en effet. Avec plein de sable et tout. Ouais. Touche. On va essayer de faire une sorte de boucle pour revenir, par contre. On commence à s'éloigner quand même un petit peu. Oh putain. Hop. Oh oui! J'ai réussi à descendre de mon bateau sans le casser! Trouve un boss. Eh, mais reste là, le bateau! Te barre pas! Là, il y a un coin sympa.
Attends, 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 j'essaie de récupérer mon bateau. Faut toujours t'attendre, toi. Merde, après, je peux pas le récupérer, ce con. Faut le casser. Oh, ouais, bon, j'ai perdu, tant pis. Allez, viens. J'arrive, j'arrive. Il y a un coin sympa là pour passer la nuit. Alors, dis-moi tout, où ça? Avec moi. Chipolipolipi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 lip
Pietro, quand on jouait seul sur le serveur sans se filmer, avait trouvé une fois une veine de 64 de charbon. Donc un stack entier de charbon. Ouais, non, un Et stack et demi. un stack et demi, autant pour moi. Et j'essaye de battre son record à tout prix, malheureusement, ça ne m'est encore jamais arrivé de trouver une veine d'un stack. Mais c'est vrai qu'on était, on était tombé sur une super grotte et Ouais, on était tombé là-dessus, c'était pas mal. y avait énormément de fer en plus, je me souviens, c'était assez sympa. Bon, bah quand t'auras fini, tu pourras remonter. Alors là, tu vois, du charbon, j'en ai 47, donc je n'ai pas battu ton record. Pas encore, du moins. Oh, un arc enchanté. Ah ouais, mais Oh, après... il l'a pas givé cet enculé. Ça, c'est normal. Alors, Pietro, ah, tu es par là. Ah, il y a un zombard que j'entends qui vient de chercher apparemment. Ah, mais apparemment le creeper t'a trouvé avant, d'après ce que je vois. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah, là il y a un autre creepy. T'es où? Ah, t'es là, ok. Pietro qui joue au Warrior. Je ne joue pas, je suis derrière toi. Tu es derrière moi, oui, je sais que t'es derrière moi, merci. Hop. Ah, un biome marais, ça c'est nickel, on va peut-être pouvoir trouver une hutte de sorcière. Ouais, pour le peu que ça donne. Ouais, c'est vrai, mais c'est sympa. Ça donne beaucoup de redstone si c'est optimisé comme, comme j'ai vu dans certaines vidéos. Ah bon? Ouais, on peut faire une mine de sorcière. Une mine de sorcière? Enfin, une sorte de mob farmer de Oui, sorcière. une ferme à sorcières, quoi, j'ai bien compris. Oui. Ah là, c'est l'attaque des zombies. Tout à fait. Ce film est tellement connu. Et nous, on est en train de le revivre en live. Et ouais. Ah, des bébelles. Que je C'est comme ça touche. que tu appelles les moutons, rappelons-le. Voilà, tout à fait. Mais... Les bébelles. Bah quoi? C'est joli comme nom, les bébelles. Les bébelles. Oh tiens, il y a un slime là-bas. Un quoi? Un slime? T'es sérieux? Un slime, pardon. Ah ouais, j'espère. Ouais. Taïo! Ah! Et Bon, où? là, mange-la, mon épée. Je sais pas, je suis dans le biome marais, je vois un slime géant juste là. Hop, aïe. Et j'ai récupéré les boules de slime au passage. Moi j'ai eu un slime géant, pardon. Très bien, hop, là il y a un zombard avec une armure full or. C'est assez génial, je dois bien l'avouer. Assiste donc ce con. Ah, je crois que j'ai intercepté un de tes mini slimes qui s'était barré. Hop, donc là j'ai 4 squelettes, 5 squelettes, putain la vache, ils sont nombreux ces cons-là. Où es-tu? Je suis là, coucou! Je Je parle vois pas à pas. t... Non mais je parle pas à toi mais au squelette. Hein. Mais t'es où? Quelles coordonnées? Quelle coordonnée j'en sais, je suis dans le biome marais. Attends, attends, là j'ai pas trop le temps, je me fais déglinguer par une armée de squelettes. Et en fait, c'est moi qui les déglingue. Ah la pauvre toi. Là, j'ai. Ah, je suis tombé sur une sorcière, Pietro. Que je vais d'ailleurs me faire. Parce que là, j'ai une épée en diable, ça devrait pas être compliqué, je pense. Voilà, c'est bon, elle est morte. Je me fais attaquer par trois squelettes et là ça va, je vais mourir. Alors, dis-moi à quelle coordonnée tu es. Aïe. Bientôt je vais être entre en 30 000, 60 000. En quelle coordonnée es-tu à l'heure actuelle, Pietro? 31 000, 59 000. 31 000, 50 000? Non, laisse tomber, je t'ai pas trouvé. Tu m'as trouvé, t'es où? Ah, t'es là. Efficace. T'as une tonne de flèches dans le corps. Ah, je vois un slime là-bas. Les slimes, faut les prendre, ça peut nous faire des pistons collants. Et des laisses. Des laisses? On peut faire des laisses avec les slimes, quoi. Oui. On en apprend tous les jours.
voilà, alors le mouton était un dommage collatéral, c'était pas voulu. Bon, allez. Ouais, bah On continue. du coup on se casse, hein. J'espère qu'on tourne pas en rond. Non, 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 mais si jamais il y avait une sorcière, il y a peut-être une autre question. Tiens! Ah, j'avoue! Classe! Efficace, hein? Ah ouais! Là, je vais mettre un petit truc genre headshot. C'est ça. Tout en agent d'ailleurs. Tout en nageant, oui! Alors, par contre, headshot tout en nageant, c'est pas dit que j'arrive à trouver ça, je te le dis tout de suite. Non mais je le dis pour les... Hein? Pour te valoriser un peu, c'est ça? Ah, j'ai retrouvé un mouton. Un mouton de cochon. En trois avec toi. Fais gaffe, j'ai une épée en diamant. Et regarde-moi. Quoi? Amélie, back and fly. Non, regarde, moi je sais le faire, regarde. I believe I can fly. Merde, je t'ai raté. C'est con, hein. Et là, tu vois, j'ai rien dit parce que dessus, je vais mettre la musique de I Believe I Can Fly. Hein? C'est moi qui l'ai eu, c'est con, C'est moi qui l'ai eu. hein? Eh oui, c'est moi qui l'ai eu. Moi, je saute de nénuphar en nénuphar. Moi, je fais de la plongée sous-marine. Comme ma sœur s'amusait à dire quand elle était petite. De la plongée sous-marine! Tout à fait. Il y a une grotte là, non? Je sais pas, je vois des cochons, moi, toujours. Ici. Oh la vache! Pourtant, sautez pas, toi. Attends, j'arrive. Je te zoome. Je propose qu'on arrête l'épisode ici et qu'on Et quoi? pose les... Attends. Non, en fait, ça continue pas. C'est de la merde. Pourquoi c'est à chaque fois qu'on tombe sur des crevasses comme ça, il n'y a jamais rien? Ça, j'en sais rien. Oh, oui, en effet, c'est très joli, par ici. Malheureusement, ça continue pas. Ah, il y a du fer là-bas que je vais m'empresser d'aller récup. Level 20. Level 23, moi. En fait, Tu remarqueras Pietro. que En tu as fait. gagné un level depuis que... En fait, Pietro, depuis tout à l'heure, il se fait un challenge. Il veut me baiser la gueule en level d'expérience. Il me faudrait une pioche. Ah, désolé. Parce Malheureusement, qu'il je. regarde moi où je suis. Oui, malheureusement, je ne peux pas accéder à ta requête, sinon tu vas. Je suis dans un trou. Comme toujours. Qu'est-ce que Voilà, tu fais? je te fais un trou un peu plus profond. Et voilà, maintenant tu l'as dans le cul, salut! Oh, je suis un enculé. Non, non, je ne crois pas, non. Donne-moi une pioche. Non, non, je vais te creuser un chemin, ça ira plus vite. Donne-moi une pioche, j'en ai plus de toute façon. Oh, d'accord. Tiens, lave-la ta pioche. Ah! Prisonnier. Non, je Prisonnier. suis désolé, mais j'ai pas d'autre pioche. J'ai ma pioche en fer qui a la moitié de sa vie, mais j'en ai besoin, donc. Passe-la moi, je ressors de là. Pas de couilles. Tu veux pas que je te fasse un chemin plutôt? Et putain, mais. Il ose me frapper alors que j'ai plus de vie, quoi. Ouais, je suis quelqu'un de dissident. Ah, moi aussi. Y a vraiment une grosse. Ouais, tais-toi, tais-toi. Ah, il y a un autre chemin par ici. Ouais, non, ça mène nulle part. Heureusement, j'ai toujours un petit peu de matériel pour me faire une pioche. Ouais. Si jamais tu veux du charbon, tu me demandes, hein, du coup j'ai de quoi faire. T'en as combien? Attends. Là, je mine toujours. Voilà, actuellement je suis à 63, 64 plus 2, c'est-à-dire 66, 68 au final. Je suis au regret de te dire Que t'as beaucoup plus que que je moi. suis à 70. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et tout est une compétition pour toi. Surtout quand on parle de charbon. Ah ouais. Donc ça c'est bon. Où es-tu, Pietro? T'es toujours dans la grotte Dans là le trou, comme ou? d'habitude, je suis Allez, toujours dans mon d'accord. trou. D'accord. T'as de la chance que j'ai pas de flèche parce que sinon. Hop. Et en plus je dis n'importe quoi, j'en ai des flèches.
Moi d'abord. Ça, c'est quand même la bêtise de nos aventures, quand même. Hein. Ah On bah passe plus écoute. de temps à se taper dessus et à se sauver l'un l'autre. T'as de Oula! la chance. Rends-moi ma flèche! Rends-moi ma flèche! Ma flèche! Ma flèche, tout de suite! Tiens, elle est sur ton corps, t'as qu'à aller la Ah. chercher. Oui, bah bien sûr! Vas-y, vas-y, envoie-moi une deuxième, je te dirai rien. Bon, alors attends, là, il Si y a j'en des suis au cochons. congrès. Il As-tu y a... pas le bébé là-bas? Oui. Loupé! Pas en une fois. C'est con, hein. Ah, là, par contre, il y a du jeu. Y a... Je crois que ça, c'est du chêne noir. Ah, et le chêne noir n'est pas pris en compte par le mode Timber, ce qui fait qu'il ne tombe pas d'un coup. Non, faut parce qu'il y a 4 coupe les 4 de base. Ah non. Non, tu vois, c'est... Un Bon, peu con. j'ai un peu de chêne noir, c'est sympa, mais... Mais moi j'ai plus de place de toute façon. Il faudrait qu'on ait une pousse de chêne noir pour s'en faire repousser chez nous. Et où? Quoi? T'es où? J'ai balancé un œuf à la gueule. Oh, tu me donnes du pain pour m'amadouer, c'est ça? C'est ça. Eh ben ça ne marche pas! Oh, c'est tellement gentil. Mais tu sais que ça ne marche pas non plus, ça. J'adore cette forêt. Regarde. Ouais, moi aussi je l'aime bien, mais j'aimerais bien avoir une pousse de chêne noir, comme je le disais. Bah, coupe les feuillages. Ouais, bah oui, mais pour ça, faut que je grimpe en hauteur. C'est pas vrai ça. Moi je prends du mycélium. Prends, prends. Ah, je crois que j'ai reçu. Je crois que j'ai eu une pousse, c'est bon. Enfin, je veux en prendre plus d'une quand même au cas où. Alors, il y a un mouton en hauteur, je sais pas ce qu'il fait là, mais il va retomber vite. Et il Voilà. est 22 h, donc c'est l'heure Ouais, et d'arrêter la vidéo. j'ai 3 pouces de chêne noir. Donc, bah, mes amis, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Minecraft. Et cette fois-ci, quand nous reviendrons en vidéo, nous serons rentrés à la maison. Tout à fait. Donc voilà, mes amis, je vous dis donc à très très bientôt. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine. Salut, salut tout le monde. Voilà, au passage, je vais pas couper tout de suite parce que je vois un énorme champignon. C'est les champignons comme y a dans les Mario. C'est pour que Mario grandisse. Ah! Il a cassé le mythe du champignon! C'est Il y une en a un à honte! côté. Où ça? Où ça? Où ça? Oh! Oh, le champignon.